Bonjour cher yogi, je vous propose aujourd'hui une courte séance de yoga pour tonifier les bras et vous invite tout de suite à passer sur les genoux. Laissez le bassin se déposer sur les talons, les coups de pied sont étirés, les paumes vers les jambes, sur les cuisses, visualisez les parties du corps qui touchent le sol. Tirez la colonne vers le ciel, allongez la nuque, relâchez les épaules, fermez les yeux un instant, prenez contact avec votre souffle en observant le nombril qui s'éloigne de votre colonne sur l'inspiration et qui s'en rapproche sur l'expiration. Formulez une intention pour votre pratique, respirez me remplit de joie et prenez conscience de cette respiration. Doucement, les bras s'étirent vers le ciel, les épaules sont basses. On va ouvrir, fermer les doigts plusieurs fois. Donc allez-y, tic, 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 encore. Et oui, les bras se raffermissent, la circulation passe à travers ses extrémités, les doigts, les poignets, les bras, encore 10 fois. Tic, 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 fléchissez les coudes, continuez à activer, ouvrez la poitrine encore 10 fois. Tic, 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 ouh, et on relâche doucement, fermez les poings, mettez les pouces à l'intérieur des doigts et venez tourner les poignets. Dans l'autre sens. Relâchez bien les épaules. Tonifiez ses bras. Les bras partent vers l'avant. Les pouces sont toujours serrés dans les poings. Sur l'expiration, laissez les poings s'étirer vers le sol. Et sur l'inspiration, ouvrez. Flex. Allongez les bras. Et étirez la nuque. Redescendez une fois les poings vers le sol, vous pouvez amener une main pour retirer un peu plus et l'autre. On ouvre les bras par les côtés, inspire, expire, les bras montent, les épaules sont basses, expire, cactus. Dessinez des cercles avec vos coudes en cactus en ouvrant le cœur. Visualisez vos omoplates, comment ça bouge. Et dans l'autre sens, on active les bras, bien, dernière fois, tout est bien réchauffé, on passe en table à 4 pieds, les poignets en dessous des épaules, les genoux, la largeur des hanches, amenez tout le poids sur les poignets, retroussez vos orteils, soulevez les genoux et engagez vraiment les épaules en dessus des poignets, respirez dans ces bras qui sont actifs, créez l'espace à travers l'arrière du haut du dos. Et sur l'expiration, relâchez doucement, passez en planche en étirant une jambe, l'autre. Respirez, expire, pousse dans les bras, chien tête en bas. Fléchis les genoux, relâche la tête, amène un genou vers le sol, en chien tête en bas, respire dans la jambe étendue, change de côté doucement. Repasse en planche sur les bras, dépose les deux genoux au sol, soulève les pieds, croise les chevilles, étire la colonne, la nuque dans l'axe, inspire, expire, fléchis les coudes vers le buste. Ça remonte. Inspire. Encore 2 fois. Coude vers le buste. Fort dans les bras. Dernière fois. Magnifique. On repasse en chien tête en bas. Relâche les bras. Relâche le mental. Écarte les pieds à la largeur du tapis. En chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on passe en planche. On monte sur les orteils, on est en planche, on ajuste sa planche. Et on va passer
du côté. Les deux pieds partent sur la droite et peut-être on amène la main sur la hanche ou plus loin dans l'axe, dans le prolongement de la main gauche. On planche sur le côté, jambes écartées sur les tranches des pieds. Expire, on revient. Chien tête en bas. Monte sur les orteils, dos rond, passe en planche, inspire. On part de l'autre côté, le bassin sur la droite. On est sur la main droite, le bras droit. On peut garder la main sur la taille ou étirer la main vers le ciel. Planche sur le côté. Laisse passer le souffle. Souris. Respirez, me remplis de joie. Pour être la petite phrase du jour, reviens en chien tête en bas. Pieds la largeur des hanches, étire les bras, étire la colonne vers le ciel, relâche les talons vers le sol. Dépose les coudes au sol, l'un après l'autre. Allonge les jambes en néant. Planche sur les coudes, respire dans la posture. Encore deux, longue, grande, inspire. On grand expire. Amène la main droite parallèle, le coude droite parallèle au tapis. Repasse sur la tranche des pieds. On peut garder la main sur la taille ou étirer le bras vers le ciel. Éloigne le bassin en poussant dans ce bras qui est au sol. Encore deux respirations. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent faire des... Allez, mais pas besoin. Viens amener le coude gauche parallèle au tapis. On change de côté. La main peut être sur la taille. Pousse pour éloigner le bassin du sol. La main peut être au ciel. La nuque dans le prolongement. Ceux qui veulent aller plus loin pour la taille peuvent encore. Mais pas besoin. On revient doucement, relâché en posture de l'enfant. Les genoux écartés un peu plus que la largeur des hanches. Le bassin se déposant sur les talons, le front vers le sol. Amène les mains vers les pieds, relâche bien les épaules, relâche les bras, relâche le mental. Respirez, me remplis de joie. Prends contact avec cette respiration lente, profonde, consciente. Doucement, je reviens me placer à quatre pattes pour reprendre un chien tête en bas. Pousse dans les bras, échion vers le ciel, laisse les talons se rapprocher du sol. On va passer sur le ventre, regarde ton nombril, inspire en planche et on descend doucement, on peut poser les genoux, les coudes vers le buste sur 5. 2, 1, on s'installe en sphinx. Les coudes bien parallèles au tapis, les doigts ouverts, majeur qui pointe vers l'avant. Allonge une jambe, allonge l'autre jambe. Visualise les pointes de tes omoplates qui se rapprochent. Sur l'inspiration, le sternum monte. Sur l'expiration, laisse ton attention glisser à travers le dos, à travers les jambes, l'arrière des jambes, et sur l'inspiration, depuis le pubis jusque vers le visage, ça expire à travers le dos. Pousse les coudes, grandis les jambes, éloigne les épaules des oreilles, crée l'espace. Relâche le front vers le sol, ouvre les bras en cactus sur l'expiration. Travaille les muscles du dos. Inspire, les bras montent, mais aussi les bras. Expire doucement. Retiens, redépose le front au sol. Encore deux fois. Pousse le pubis dans le sol, les gros orteils dans le sol. Relâche. Dernière fois. Le sternum monte. On reste, on étire les bras. Les doigts viennent se croiser. On allonge les bras. Allonge la nuque en visant un point devant toi. Visualise les omoplates, les pointes qui se resserrent.
doucement. Je relâche. J'amène les mains de chaque côté de la poitrine. Je serre les coudes. Je utilise la force des bras. Expire, je dépose les coudes au sol. Je retrousse les orteils. Je suis en dauphin. Les jambes sont tendues ou pliées. Le dos est plat. Je pousse dans les bras. Je respire. Je peux rester dans cette posture. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent soulever une jambe. Pousse dans les deux bras. Et l'autre. Étire aussi la jambe qui est tendue, pied au sol. Reviens doucement. Respire dans l'arrière du dos, on dépose les deux genoux en même temps pour passer sur le dos. Je m'installe sur le dos. Les bras en cactus, les genoux sont pliés. Les pieds, la largeur du tapis, les genoux l'un contre l'autre, relâche le bas du dos, relâche les omoplates, les paumes sont ouvertes vers le ciel. Laisse passer le souffle et sur la prochaine inspiration, les deux genoux partent vers la droite, la tête vers la gauche. Relâche bien les omoplates, relâche les bras, relâche la peau du visage. Respirez. Rempli de joie. Et laisse un sourire se dessiner sur ton visage. Encore trois respirations. Lentes, profondes, conscientes. Sur une inspiration, les genoux remontent, la tête dans l'axe. On peut les laisser se toucher. Repositionnez bien les lombaires. Et sur l'expiration, les genoux partent vers la gauche, la tête vers la droite. Ferme les yeux, souris, respire. À la fin de la prochaine expiration, retrouve l'axe, étire-toi. Passe sur le côté pour venir t'asseoir en Sukhasana, l'homme heureux. Paume sur les genoux, la colonne s'étire, les yeux sont fermés. Relâche bien les épaules, connexion avec ta respiration. Respirez, me remplis de joie. Et à la fin de la prochaine, expire, dépose les 10 doigts au sol, les bras sont actifs, inspire et s'étire vers le ciel. Paume contre paume, pousse vers le cœur. Tu peux te féliciter d'avoir pris du temps pour toi aujourd'hui. Namaste.